qu'on y a ça offert un pile chantage. Yo relé n'importe mon téléphone. Yo fait connait que qui côté petit ou actuellement, qui côté marou actuellement, qui côté femme ou actuellement et puis rapidement ou sauter ou dit yo dans la rue. Et puis rapidement ou dou comme ça pas accrocher mon nan main yo. Voyez tel comme sous mon cache. Nous connaissons ça, ça crée comme panique et plainte que justement que nous recevons dans ce sens ça. N'a pas dit mon yo pour prendre pile précaution, pour prendre pile prudence avec type d'appel ça yo que moun ka prele nous pour yo rançonner nous à travers téléphone. Nous constater et même à travers les réseaux, à travers les médias, c'est presque chaque jour moun enlevé. Et dans la dernière conférence que nous avons fait à côté que nous avons invité du CPJ, qui te ba nous des conseils, et à chaque fois la situation est arrivée, mais ça pour nous faire. Et tout, nous recensons cas tout de auto-kidnapping, de simulation de kidnapping, de monde qui organise yo, pour enlever propre tête par yo, ou bien le cachon côté, pour faire pression, pour demander proche yo, parent yo, l'argent. C'est cas auto-kidnapping, côté que Mir Loud Valsin, 37 ans, qui dit que yo était enlevé le 23 décembre 2020 et yo était venu déposer plainte dans le DCPJ le 25 décembre 2020. Côté que enquête l'a révélé que son simulation de kidnapping. Et dans simulation ça, il a exigé de rançon de 60 000 $ américains. Gain tout deux mineurs, nous pas bay non yo, mais c'est de deux jeunes filles qui deux adolescents pardon, qui âgés de 17 ans. Premier à lui-même, il fait tête, il passé comme victime de kidnapping. Côté yo enlevé la tremblée, c'est ça le dit. Yo mandé une rançon de 50 000 goudes pour libérer le. Côté que parents lui-même versait déjà 15 000 goudes par mon cash pour moun qui t'a négocié avec lui. La police arrivée interpeller lui, il était en compagnie de ménage lui dans zone Gantier. Et à savoir l'autre mineur là qui gagnait et 17 ans lui-même il quitté Kaili le 19 décembre 2020 côté que lui fait tout le temps ça et DCPJ arrive à récupérer. Pour le moment, il y a attendu deux adolescents au niveau de DCPJ. Également, et madame, Kounia a offert un pile chantage. Il y a eu les n'importe quoi dans le téléphone. Il fait connaître que qui côté petit ou actuellement, qui côté marou actuellement, qui côté femme ou actuellement, et puis rapidement, ou sauter, ou dire dans la rue. Et puis rapidement on dou comme ça pas accrocher mon nan main yo voyez tel comme sous mon cache. Nous connaissons ça, ça crée comme panique et plainte que justement que nous recevons dans sens ça n'a pas dit mon yo pour prendre pile précaution pour prendre pile prudence avec type d'appel ça yo que moun ka prele nous pour yo rançonner nous à travers téléphone. Nous constater et même à travers les réseaux, à travers médias, c'est presque chaque jour moun enlevé. Et dans la dernière conférence que nous avons fait à côté que nous avons invité du CPJ qui te ba nous des conseils et à chaque fois situation ça arrivée mais ça pour nous faire. Et gain tout nous recenser cas tout de auto kidnapping, de simulation de kidnapping de monde qui organise yo pour enlever propre tête par yo ou bien le cachon côté pour faire pression pour demander proche yo parent yo l'argent. C'est cas auto kidnapping côté que Mir Loud Valsin, 37 ans, qui dit que yo était enlevé le 23 décembre 2020 et yo était venu déposer plainte dans le DCPJ le 25 décembre 2020 côté que enquête l'a révélé que son simulation de kidnapping. Et dans simulation ça, yo était exigé de rançon de $60 000 américains. Gain tout deux mineurs. Nous pas bay non yo, mais c'est de deux jeunes filles qui deux adolescents pardon qui âgés de 17 ans. Premier à lui-même, il fait tête, il passé comme victime de kidnapping. Côté yo enlevé la tremblée, c'est ça le dit. Yo mandé yo rançon de 50 000 goudes pour libérer le.
côté que parents lui-même versait déjà 15 000 goudes par mon cash pour moun qui t'a négocié avec. La police arrivé interpeller lui, il était en compagnie de ménage lui dans zone Gantier. Et à savoir l'autre mineur là qui gagnait 17 ans, lui-même il quitté Kaili le 19 décembre 2020 côté que il fait tout le temps ça et DCPJ arrivé récupérer le. Pour le moment, il y a attendu deux adolescents au niveau de CPJ, également et madame qui vient donc les mis au lourd bassin. Kounia ça va faire un pile chantage. Il y aurait les n'importe quoi dans le téléphone. Il fait qu'on est que qui côté petit ouille actuellement, qui côté marouille actuellement, qui côté femme actuellement, et puis rapidement ou sauter ou dire on est là. Et puis rapidement, on s'est pas accroché. Mon nom est yo. Voyez tel comme sous mon cache. Nous connaissons ça, ça crée comme panique et plainte que justement que nous recevons dans ce sens. N'a pas dit mon yo pour prendre plus précaution, pour prendre plus prudence avec type d'appel ça yo que mon qui a pris les noms pour yo rançonner nous à travers téléphone. Nous constater et même à travers les réseaux, à travers les médias, c'est presque chaque jour. Moun enlevé. Et dans la dernière conférence que nous avons fait à côté d'une invité du CPJ qui te ba nous des conseils et à chaque fois situation s'est arrivée mais ça pour nous fait. Et gain tout nous recenser cas tout de auto kidnapping. De simulation de kidnapping de moun qui organisé yo pour enlever propre tête par ou bien al cachon côté pour faire pression pour demander proche yo par un yo l'agent. C'est cas auto-kidnapping côté que Mir Loud Valsin 37 ans qui dit que il était enlevé le 23 décembre 2020 et il était venu déposer plainte dans le DCPJ le 25 décembre 2020 côté que enquête l'a révélé que son simulation de kidnapping et dans simulation ça il était exigé de rançon de 60 000 $ américains. Gain tout deux mineurs. Nous pas bay nou yo, mais c'est de deux jeunes filles qui deux adolescents pardon qui âgés de 17 ans. Premier ali même il fait tête li passer comme victime de kidnapping côté yo enlevé la tremblée, c'est ça le dit. Yo mandé yon rançon de 50 000 goudes pour libérer côté que parents li même versé déjà 15 000 goudes par mon cash pour moun qui t'a négocié avec. La police arrivé interpeller lui, il était en compagnie de ménage lui dans zone Gantier. Et à savoir l'autre mineur là qui gagnait 17 ans, lui-même il quitté Kaili le 19 décembre 2020 côté que il fait tout le temps ça et DCPJ arrivé récupérer le. Pour le moment, il y a attendu deux adolescents au niveau de DCPJ également et madame Kounia ça va faire un pile chantage. Yo relé n'importe quoi dans téléphone. Yo fait connait que qui côté petit ouille actuellement, qui côté marouille actuellement, qui côté femme ouille actuellement et puis rapidement ou sauter ou dire on est là. Et puis rapidement ou comme ça pas accroché mon nan men yo. Voyez tel comme sous mon cache. Nous connaissons ça, ça crée comme panique et plainte que justement que nous recevons dans ce sens ça. N'a pas dit mon yo pour prendre plus précaution, pour prendre plus prudence avec type d'appel ça yo que moun ka prele nou pour yo rançonner nous à travers téléphone. Nous constater et même à travers les réseaux, à travers les médias, c'est presque chaque jour moun enlevé. Et dans dernière conférence que nous avons fait à côté qu'une invité du CPJ qui te ba nous des conseils. Et à chaque fois situation s'est arrivée, mais ça pour nous fait. Et gain tout, nous recenser cas tout de auto kidnapping, de simulation de kidnapping, de monde qui organisé yo pour enlever propre tête par yo bien al cachon côté, pour faire pression, pour demander proche yo parents yo l'argent. C'est cas auto kidnapping côté que Mir Loud Valsin 37 ans
qui dit que il était enlevé le 23 décembre 2020 et il était venu déposer plainte dans le DCPJ le 25 décembre 2020. Côté que l'enquête a révélé que son simulation de kidnapping. Et dans la simulation, ça, il a exigé de rançon de $60,000. Il y a tout deux mineurs, nous pas bainon yo, mais c'est de deux jeunes filles, deux adolescents, qui âgés de 17 ans. Premier à lui-même, il fait tête, il passe comme victime de kidnapping. Côté, il a enlevé la tremblée, c'est ça le dit. Il a demandé une rançon de 50,000 gourdes pour libérer. Côté que parents lui-même versait déjà 15,000 gourdes par mon cash pour moun qui t'a négocié avec eux. La police arrivée interpeller lui, il était en compagnie de ménage lui dans zone Gantier. Et à savoir l'autre mineur là qui gagnait et 17 ans lui-même dit quitter Kaili le 19 décembre 2020 côté que lui fait tout le temps ça et DCPJ a arrivé à récupérer. Pour le moment, il y a attendu deux adolescents au niveau de DCPJ. Également, et madame qui est notre Mioloud Valsin.